Hi he, hi ho, hi he, hi ho, hi he, hi ho. Oh, but it belongs. Hi he, hi ho, hi he, hi ho, hi he, hi ho, hi he, hi ho. J'arrive. Hi ho. J'arrive. Hi e, hi ho, hi e, hi ho, hi e, hi ho. Hi e, hi e, hi ho. Je crois que je me suis fait une petite entorse. Oh, quelle belle journée nous avons passée à la mine. Oh, je ne te le fais pas dire. Et pourtant, je l'ai dit. Allez, rentrons à la maison. Oh, quel bonheur d'être nain. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et puis avec l'herbe haute, comme ça, la rosée du matin, j'ai l'impression de me faire lécher les couilles. Non. Non, Baptiste, non, on démarre pas comme ça. Le thème du gala, c'est l'amour. On fait Blanche-Neige. Je veux que le gala, il soit mignon, bienveillant, tendre. Arrête de te foutre de ma gueule, Jérémy. Arrête, je te connais par cœur. On part sur un conte Disney. Et puis là, on va arriver, il va y avoir Arnaud qui va arriver déguisé en Blanche-Neige. Et au bout de 5 minutes, on sait pas pourquoi, il va se mettre à tringler tous les animaux de la forêt. Dont Guillaume Batz déguisé en sanglier ou en opossum. Non. Non, pas cette année, Baptiste. Parce que figure-toi que Disney est tombé sur nos versions revisitées d'Aladin et Notre-Dame de Paris, ça les a pas fait rigoler. Hein. Ah bon ? Non. Alors cette année, j'ai eu les droits de Blanche-Neige, mais on est obligé de respecter le conte à la lettre. Et on va le respecter. Parce que quand tu te retrouves en procès contre Disney, à la barre, c'est pas le capitaine Crochet, Baptiste. Hein. On respecte le conte à la lettre. Oui. Hein ? Et ils sont où, les autres nains ? Hein, les 5 autres, ils sont où ? Mais t'as mis ta pioche dans les couilles. Ça, c'est la réalité du terrain, Baptiste. 70% des mineurs ne remontent jamais, meurent dans d'atroces souffrances et dans l'indifférence la plus totale. Et tu sais pourquoi, Baptiste ? Pour aller chercher des métaux rares, pour alimenter ton iPhone, pour que tu puisses liker des culs sur Instagram pendant que t'es dans les chiottes. Voilà, Baptiste, pourquoi nous ne sommes que deux. Voilà pourquoi. Mmh. Ouais, t'avais pas le budget, quoi. Non. Et ça, c'est la réalité de mon terrain, Baptiste. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on reprend. Non, mais, hé ! 70% de 7, ça fait 3. Il est où, Hatchoum ? Hatchoum ? En plein Covid ? Ah. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux, Baptiste ? Qu'est-ce que tu veux ? Une 5e vague ? Une 2e chanson de McFly et Carlito ? Et on t'es vraiment devenu conventionnel. Putain, tout le sketch va être comme ça, on va vraiment se faire chier. Écoute, les gens ont passé une période extrêmement anxiogène. Ils ont besoin qu'on revienne aux bases, à la tradition. À la baguette. Tu arrêtes avec tes blagues antisémites, Baptiste. C'est pas antisémite, la baguette. Ah non ? Ben non. Dommage. Oh, le monde d'avant me manque. Allez. Allez. On reprend. On reprend. Oh, quelle belle journée nous avons passée dans la mine. Oui. Pour le respect du code du travail, des règles de sécurité et des gestes barrières. N'est-ce pas, simplet ? Simplet ? Je suis simplet, moi. Oh, écoute, fais pas l'enfant. Fallait choisir. Mais putain, pourquoi je suis pas joyeux ? Oh, mais t'es joyeux, là ? Mais bah, souffle. Oh, il m'a pris à mon propre piège. Allez. Viens, simplet, Blanche-Neige nous attend sûrement pour manger cet après-midi à creuser la roche dans le respect du code du travail, des règles de sécurité et des gestes barrières. M'a ouvert l'appétit, pas toi, simplet ? Ah oui, si, j'ai faim, je mangerai bien non. Un truc, oui. Eh non, eh non, non. Eh, tu le joues en simplet, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, c'est simplet. Mais je t'ai pas dit le 8e jour, je t'ai dit simplet. Attends, t'es marrant, toi, tu me donnes le rôle il y a 10 secondes. Je sais pas. Non, mais de la nuance, c'est quelque chose de. Comment tu veux que je nuance ça ? Sucré, salé. Je cherche. Ah oui. Commence pas avec 15 minutes d'intro. Comme ça, c'est bon. Oh, quelle belle tablée ! Allez, Baptiste, avant de dîner, oignons nos mains de nain avec du gel hydroalcoolique homologué. Non, mais en simplet. Ça pique ! Arrête, quoi ? Oh, ouais.
Mais je cherche. Mais c'est trop. Mais non, mais, pas... bah, je vais moduler. Mais oui, mais il avait mes modules maintenant, là, c'est beaucoup trop. Bon, allez. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Quoi? Deux secondes. Oh, Blanche-Neige. C'était sur la table. Quoi? Blanche-Neige, Blanche-Neige. Bah! Tu crois quoi? Tu crois que je peux courir dans votre baraque de merde? Je suis comme ça, il y a 20 cm de hauteur sous plafond, là, c'est pas de plafetard, là, comme toi, là. Bim! Oh, j'y avais envie! J'y avais envie! Je dis donc, elle prend quand même beaucoup de liberté, Foresti, là. Je t'entends. Ah, c'est quand même... De quoi tu te mêles? T'as rempli des bercy, toi? Non. Alors ferme ta gueule. Voilà. Bien. Ouais. Bien, ça. Ça, c'est nuancé, ça. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, Blanche-Neige, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? J'en sais rien, vous démerdez, vous. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai eu le temps de faire à bouffer, tu crois, là? Je viens de me faire 7 lits en portefeuille, là. Enfin, en porte-carte. Excellent. Vous faites un Deliveroo, un Uber Eats, j'en ai rien à foutre. Vous commandez un petit pitch au chocolat, hein? À l'échelle, ça ferait une viennoise. Vous comprenez? Voilà, démerdez-vous, moi je m'en fous, je bouffe pas, je me fais un jeûne intermittent, là. Il s'appelle Régis, il a 26 ans, il est éclairagiste. Hein? Con. Rigole. En simplet. Bon, allez, Blanche-Neige. Oui. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, qu'est-ce qu'on mange? Putain, mais il a pas compris. Tu crois quoi? Je suis allé à la pêche, regarde ce qu'on mange. Bim. J'ai enlevé les arêtes, t'inquiète. Là, c'est quand même beaucoup de liberté. Ouais, c'est un peu trop. J'ai dû parler. Excuse-moi. Florence. Oui. Mais pardon, juste. Oui. C'est par rapport à l'interprétation. Oui, tu as vu. J'ai permis quelques. Oui. Hein, quelques libertés. C'est bien. Hein. J'ai un peu modernisé le personnage. Ouais. Un peu 2021. Oui, et c'est très 2021. Parce je que crois, t'as ajouté crois, hein, les fuck, les, ouais. les paffes là sur le ouais, front. T'as bien aimé. Tiens, mais je me dis, maintenant que tu l'as bien modernisé, peut-être tu pourrais revenir un peu au personnage. De base, tu vois, tu sais, Blanche-Neige, elle est plus. Tu vois? Non, j'ai. Tu vois, elle est plus douce. Oui, elle est plus douce. Douce, c'est tu ça. Vois, elle est plus. Elle est plus. Elle est docile. Elle est plus docile. Voilà. Elle est soumise. Elle est conne, quoi. Voilà, c'est une connasse. Ah non! Quoi? Ah non! Ah! J'ai eu peur. Ah! Ah! Ah non! Ah! Ah! Mais arrête! Ah! Les trisomiques, ils aiment pas quand les gens crient. Mais c'est pas un trisomique! Putain, mec... Florence. Oui? Je ne me serais pas permis d'arriver non, devant toi... Oui, voilà. ...en te disant... Interprète une conne. Voilà, non, elle mais est... j'ai eu peur. Non, j'ai eu peur. Elle est pas conne, Blanche-Neige. Ah, je ne crois non, pas, non. Non. Blanche-Neige, c'est une très jolie jeune fille... Oui. Au teint de pêche. Oui, ça jet, c'est bon. Aux cheveux. Un noir de jet. Si tu y tiens. Oui. Aux courbes délicieuses. Belle, elle aurait pu concourir à Miss Univers. Et elle aime le fromage de chèvre, voilà. Je t'es sûre. Tu ne crois pas traître mot de ce que tu dis. Je te ferais dire n'importe quoi qui aime le fromage. Tu veux que je joue une pute et puis c'est tout, dis-le. Ah non. Hé, hey, Florence, Blanche-Neige, c'est pas une pute, hein. Si. Non, c'est pas une pute. Si. Blanche-Neige, c'est une jeune fille qui donne ses services contre le gîte et le couvert à cet homme dans les bois. Ouais, c'est une pute, allez. Voilà, merci. Alors, on va changer. Ça va pas vite, hein. On va changer. Ça va pas vite là-dedans, hein. Oui. J'arrive pas. Ça claque pas. Ça claque pas comme on fait. Voilà. Ça claque pas. Ça rentre, tu vois, ça rentre doucement. Donc, moi, je te le dis, c'est contre mes principes. Hein. C'est impossible que ça sorte de ma bouche. Tu vois, j'ai beau avoir un jeu, j'avoue, assez panaché, assez large. Je veux une pute, c'est hors de question. Alors, soit on change le texte, soit... On change d'actrice. Ah,
arrête de faire ça. Eh oui, je suis là, Jérémy. Tu manges à tous les râteliers, tu me dégoûtes. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a fait croire que le gala s'enregistrait à Bruxelles, comme les années précédentes. Il m'a mis dans un Thalys, en wagon zen. Sauf que qui dit wagon zen dit wifi. J'ai vu ta story enregistrée à Paris, sur Instagram, Grenigodouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est Florence Foresti. Ne me prends pas pour un imbécile, Jérémy. Je sais très bien que c'est Florence Foresti. Bonsoir, ma chérie. T'es belle. Non, c'est toi qui es belle. J'adore. C'est beau tes seins. Arrête, un push-up. Oh, t'es magnifique, vas-y, tourne. Oh, mais t'as pas un peu de graisse. Je suis tellement jalouse, t'es bonasse. Pourquoi il a la version pute et moi j'ai la version ménopause, là? Mais tu viens de me dire que tu voulais pas jouer une pute. Je sais plus, maintenant, tu vois. Bon, ben, fais la pute. Quoi? Mais t'es ignoble. Mais faudrait savoir. Tu me dis je veux plus le faire. Mais tu viens de me dire. Mais oui, mais c'est ça toute la complexité des femmes. Jérémy, tu comprends rien. C'est ça. On sait pas. On veut pas ce qu'on dit. On dit pas ce qu'on veut. On dit pas. Ah, putain, mais explique-lui, toi. Tu connais les meufs. C'est ça. Les femmes. Non, non, mais n'explique pas. Bon, comment tu as pu me remplacer, Jérémy? Moi qui t'ai tout donné. Moi, toutes ces heures d'acting, tous ces sacrifices, je t'ai donné mes plus belles années, Jérémy. Tous ces rôles que j'ai interprétés pour toi, tous ces rôles que j'ai explorés, que j'ai pénétrés, qui m'ont pénétré. Et tu n'oses même pas me regarder dans les yeux? Alors non, je ne vais pas m'énerver, Jérémy, oh non. Malheureusement, je n'ai plus ce luxe-là. La vie m'a rappelé récemment qu'il y avait des choses beaucoup plus graves, Jérémy. J'ai appris très récemment une terrible nouvelle personnelle, alors est-ce que je peux t'en parler, Jérémy? Est-ce que je peux parler à l'ami, puisque visiblement je ne peux plus parler au metteur en scène? Oui, vas-y. Voilà. La semaine dernière, Jérémy, j'ai vu un gynécologue qui, en plus de m'avoir très mal reçu, a confirmé mes pires craintes. Je ne pourrai jamais porter d'enfant, Jérémy. Pourquoi? Mais t'es con, quoi. Oui, je suis con, oui. Ah, t'étais dans le personnage. Mais oui, je cherche. Pardon, ok, super, là, c'était bien, là. Non, non, ah, mais tu vois, on y croit quand t'es bon. Je vais te le dire, Baptiste, pourquoi je ne peux pas porter d'enfant. Mais on sait pourquoi. Non, arrête de parler. Laisse-le parler. Oh, putain, arrête. Je l'ai reperdu. Alors évidemment, l'âge n'aide pas. J'ai 45 ans passés, la machine est grippée. Mais le gynécologue, sans prendre aucune pincette, de but en blanc, m'a dit que je ne pouvais pas porter d'enfant à cause de mes organes génitaux. Mes organes, Jérémy. Alors j'ai immédiatement pris rendez-vous avec un organiste. Eh bien, figure-toi qu'un organiste, c'est quelqu'un qui accorde les orgues dans les églises. Alors Dieu refuse que je donne la vie, mais sache que dimanche, à l'église Saint-Eustache de Bourg-les-Valence, le son sera impeccable. Oh non. Je sais pas quoi répondre, Jérémy. Dis-lui quelque chose. Mais console-le enfin, cœur de pierre. Oh, heart of stone, oh, c'est dur, putain. Ah oui, oui. Non mais ça, c'est tout le problème avec lui. Oui. C'est qu'il est très beau, mais il fait mal. C'est une plage de galets. Oh, je suis désolé pour toi, Arnaud. Et je suis tellement triste pour cet enfant qui aurait été tellement heureux dans une famille équilibrée comme la tienne. D'autant que tu n'aurais pas été loin de cet équilibre, Jérémy, car tu aurais été le parrain de Ambre. Je vais frapper, dégage. Non, non. Tu peux pas faire ça, ce pauvre Arnaud vient d'apprendre qu'il ne donnera jamais la vie, qu'il ne connaîtra jamais les joies de la maternité. Et toi, tu vires comme ça, putain, mais qui es-tu? Derrière ce visage angélique, est-ce qu'il y a un cœur, putain? Qui es-tu, monstre de froideur? Who are you, Mr. Freeze?
Alors quoi, les actrices de plus de 40 ans, c'est à la casse, c'est ça? Mais c'est pas une actrice de plus de 40 ans! C'est juste un connard! Qu'a enfilé une robe il y a 3 ans pour les besoins d'un sketch qui a réveillé en lui un espèce de désir malsain qui nous fait subir jour après jour depuis 3 ans jusqu'à finir chez un gynéco alors qu'il a des couilles, ce con! La dernière fois, il m'a fait 1h30 sur le fait qu'il avait acheté un pisse debout et que ça lui avait changé la vie sur les longs trajets! Alors il dégage, il va faire femme à barre dans un cirque si ça l'amuse, mais il se casse! Bon, écoute-moi bien, Jérémy, si pars, je pars, d'accord? Sororité. Excuse-moi, ma chérie, pardon? On dit sonorité. C'est l'organiste qui me l'a dit. Bon, t'as raison, il est vraiment trop con, dégage-le, je t'en supplie. Attends, hé, s'il est super con, il a qu'à faire simpler, du coup. Non, mais j'en ai marre, moi. On arrête de tout changer, on ne change rien, là. C'est... Non, j'ai une solution. Ça oh, tu veux porter mon enfant? Non. Ah, toi aussi, t'es rouillé. Oui. Non. Ça me dégoûte, c'est tout, qu'il est con. Non, je me dis, il y a quand même 2 rôles féminins dans Blanche-Neige. Ouais, est-ce qu'on peut pas faire un petit compromis? Est-ce que tu peux pas lui proposer le rôle de la sorcière? Voilà. Hein, Jérémy, dépêche-toi. Non. Si, le rôle de la sorcière, s'il te plaît, ou je me casse. Attends. Arnaud, est-ce que tu veux jouer le rôle de la sorcière? Non, j'ai l'impression qu'il a pas envie. Il le dit, mais il a pas envie. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il t'implore à genoux. Non, je me bats à genoux pour ce connard. Dépêche-toi. Il n'est pas à genoux. Là, il est juste plus petit, mais il n'est pas à genoux. T'as raison, ça marche pas. Enculé. Arnaud, je t'implore de jouer le rôle de la sorcière. Je ne sais pas. Quel est son parcours à cette sorcière? Quel est son background? J'en sais rien, c'est une sorcière! Quel est son background? J'en sais rien, elle est chico pourri, c'est une connasse, elle fait peur aux gosses, tu m'emmerdes! Non, ben non, c'est hyper important, moi je suppose que pour devenir aussi méchante, cette sorcière, elle a dû subir des traumatismes, je ne sais pas, au hasard, un viol, il pourrait peut-être... Il pourrait peut-être y avoir un flashback. Arrête avec ça, Arnaud, c'est insupportable. Oui, c'est insupportable, les anglicismes. Fini les flashbacks, je veux des éclairs dans le derrière. Voilà. Quoi? Voilà ce qu'on va subir tous les ans. Comment ça tous les ans? Mais moi je reviens pas, hein. C'est un one shot, hein, je te le dis, hein. Oh non. Pardon, on est très très proche de Christian Clavier, là. Ça fait clavier? Ouais. Faut que tu prennes une autre... J'ai pris clavier. Ouais, une autre direction. Et puis de toute façon, j'ai réfléchi, j'ai peur que si je fasse le rôle de la sorcière, après je sois catalogué. J'ai un casting très important la semaine prochaine pour le biopic de Roselyne Bachelot et... Si je joue ce personnage très noir, là, on n'est plus que 3, là. On n'est plus que 3 actrices, là. Il y a Guillaume Gallienne, Ahmed Silla et moi. Oh, ça va jouer des coudes. Bon, écoute, Arnaud, dans ce cas-là, je sais pas, est-ce qu'on peut pas... Voilà, on fait 2 princesses. Je fais Blanche, tu fais Neige. Oh oui, je suis Neige. Je fonds au soleil. Oh, je suis une piste. Mais pour me passer dessus, il faut un forfait. Ça va le faire. Attention au hors-piste, Michael Schumacher. Bon, arrête. Ça va, pas bien. Je fais Neige, tu fais Blanche. Là, y'a rien à dire. C'est OK. C'est OK. Ça va, c'est bon. Pendant que je vais chercher le rôle encore, il y a un problème. Donc, du coup, qui va faire le rôle de la sorcière? Putain. Faudrait quelqu'un d'effrayant. Ah, quelqu'un qui fasse peur au premier regard. Ouais, il nous faudrait quelqu'un de vraiment dégueulasse. Non, sans déconner, on va vraiment faire semblant de chercher, hein? Non. Guillaume!
Excuse-moi. Tu t'es cogné. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, tu l'avais jamais vu, toi. Il faut absolument lui donner un antihistaminique. Il s'est fait attaquer par un essaim de guêpe, c'est évident. Il est en train de faire un œdème de coinque. Je sors du maquillage. Hein. Non. Oh là là là, toutes ces bosses, là, on dirait une piste noire. Hein. Ça m'avait manqué tous ces instants de bonheur. Hein. Guillaume. Oui. Voilà, on a un truc à te proposer. Écoute, tu vas tomber de ta chaise. Non, pour pas que tu tombes. Tu vas être sur le cul. Écoute, tiens-toi bien. D'ailleurs, dans la vie, généralement, tiens-toi bien. Okay. Jérémy, oui. dans sa grande générosité, te propose de jouer le rôle de la sorcière. Ah non, hein. Cette année, Jérémy, tu vas dire que je sois le prince. En plus, j'ai pas de costume de la sorcière, donc... Pardon, mais excusez-moi. Je viens de connecter. Excusez-moi, c'est lui qui devait m'embrasser pour me réveiller. Ouais, mais tu peux le faire. Non, on redistribue tous les rôles. Personne ne bouge. Mais non, je l'avais presque, moi, là. Non, alors, je suis désolée, mais de toute façon, ce compte est totalement misogyne, arriéré. On va bousculer les codes. Déjà, je vois pas pourquoi ce serait ces connards de nains qui bossent. Et je dis pas... connards de nains, je dis pas ça pour toi. Alors là, je suis pas nain du tout. Hein. pas grand non plus. Alors, non. Voilà ce qu'on va faire, hop 2021, les nains, vous vous occupez de la baraque, et nous, avec Arnaud, et ben voilà, on bosse, on rentre du boulot. Oh oui, on rentre du boulot. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? On est des secrétaires, des petites assistantes, on est en chemisier, en tailleur, en moulant comme ça, et puis, oh bonjour patron... C'est pas possible. Non. Absolument pas. Non, pas Arnaud, pas, réveille-toi. Pas ça. On est des femmes fortes. Bien sûr. On a changé, le monde a changé. Bien sûr. Hein? Bien sûr. On est des femmes indépendantes. On a des postes à haute responsabilité. Des postes, oh oui. Oh, je suis influenceuse à Dubaï. Salut les fololos. Oh, je vous mets mon tuto en swipe up, le code promo c'est pu. Non. Bon, allez, stop. S'il vous plaît, il me faut au moins une scène qui ressemble au conte original. Sérieux, on en fait au moins une. Et une scène. Eh ben, au hasard, on passe à la scène de l'empoisonnement, comme ça on se fait empoisonner, on tombe et puis vous nous embrassez vite. Oui, voilà. Très bien. On fait celle-là. Donc il faut que la sorcière nous vende ses pommes. Ok, va chercher les pommes. Les pommes. Oui, c'est marrant, toi. Les pommes. Ah, bah tiens, j'ai ça. Oui, bah vas-y, hein, de toute façon, au point où on en est. Je voulais des pommes, Blanche-Neige. Qu'est-ce que c'est, ça? Je tente de rendre le rôle plus effrayant. On est déjà pas mal, là. Hein. Ouais. Faut que ça reste familial, hein. Allez. Merci, belle sorcière. Oh, mangeons ces pommes empoisonnées. Oh. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. Mais je te regarde toujours. Oh. Bon, c'est bon. Ah. Les premières convulsions. J'ai un jeu très large. Je te fais bien. Ouais, j'ai un humour visuel. Attends, il y a une marque pour... Je m'évanouis sur ma marque. C'est là? Ouais, c'est la croix. Ok, la croix. Ça y est, on s'évanouit. Oh, je me sens partir. Moi aussi. Oh, je pars. Moi aussi. Je vois le bout de... Je vois la lumière blanche. Non. C'est la poursuite. Ah, pardon. Oh, je vois les morts. Je vois Guy Bedos. Reviens, Guy. Ils sont devenus fous. On ne peut plus rien dire. Non, c'est Régis, mon jeune intermittent, qui fait des réglages. Ah, salut Régis. Dis-donc, Régis, quand on fait un métier d'altitude, on met un slip sur son short. Là, je vois tout. Là, Le bisou, allez, J'embrasse Blanche. Non, c'est moi qui paye le galop, c'est moi qui embrasse Blanche. Tu peux pas tout résoudre par l'argent. Non, je peux par la force. Non, je peux pas embrasser Arnaud tous les ans, il va s'attacher. Arrête. Il m'a pas pété le nez. Non, ça va. Il est cassé? Non, il est pas cassé. Attends, aïe, tire pas les cheveux pour de vrai. Ah bah.
Arrête! Non, c'est la mienne! Mais maintenant, les gens, ils savent que c'est pour de faux! Ah, le consentement! Elles sont endormies, elles sont pas consentantes! Disney va pas être content, tu vas prendre un procès, ça va être un bad buzz! Mais je m'en fous du consentement! Moi, je suis consentante, moi! Allez! Mais baissez-moi, putain! Mais écoute, oh, moi le consentement, je lui dis zut, je lui dis flûte, je lui dis calbut. Régis, mais un calbut sans déconner, vraiment. Hein. Putain. Oh, allez, stop, on arrête tout, laissez tomber, c'est nul, c'est raté. Pas on, du tout. On coupera tout ça au montage, on arrête le compte. Allez, pardon, merci. Non, mais c'était super d'essayer, raté, on arrête. Non, bon. Pas non. Du tout, on continue, personne ne quitte le plateau. On va jusqu'au bout de ce sketch, même le nain, il reste. Je ne suis pas nain. Quelqu'un va lui dire ou pas un jour? Guillaume. Non, on reste. On reste. Je veux faire cette putain de scène, Jérémy, d'accord? Je veux aller jusqu'au bout de ce putain de compte. Je veux que tu me donnes mon bisou. Bordel, tu crois que je suis venue pour quoi? Tu crois que je suis venue pour faire un sketch sur C8? Avec quatre branleurs comme ça, je savais même pas qui t'étais il y a 2 semaines. J'ai regardé sur Instagram, j'ai vu que tu faisais 2 pompes, j'ai dit bingo, c'est lui. Ok? Alors, là, y'a pas. Reste ici. Donc tu vas me smaquer la gueule, mon pote, parce que je suis venu pour ça. Pas baiser depuis 2 ans. À cause du confinement? Non. À cause de la vie, Jérémy. J'ai 47 ans. Dis-lui ce que c'est, toi. Sonorité. Bon. Alors, tu te démerdes comme tu veux, mais moi, je veux ma galoche. Mais à la limite, le cachet, bon. C'est vraiment grotesque. Allez. Mais je suis en couple, Florent. Mais c'est une fiction, imbécile. Si t'es pas capable de jouer ça, mais mon pote, allez. C'était pas bien. Oh, c'était pas bien. Oh putain. Oh non, je vous jure, vous emballez pas les filles. Oh, oh, c'était dégueulasse. Oh, c'était nul. Oh putain, quel retour à la vie sexuelle, mon Dieu, quel enfer. Ah, ah, c'était affreux. Oh, faut que je m'en aille. Oh, quelle horreur. Oh mon Dieu. Oh, ne me retiens pas, Jérémy. Je t'en supplie, laisse-moi partir, sois digne. Tu es tombé amoureux, c'est tout à fait classique, tu vas t'en remettre. C'est l'histoire de 2 ou 3 ans, un peu de thérapie et ça ira. Je t'en prie, ne brise pas ta vie de couple pour moi, d'accord? Je ne ferai qu'un vieux souvenir. Tu oublieras. La plage de Galais. Tu m'oublieras, Jeanne. Adieu. Putain, il y en a pas un qui vaut le coup. Pardon. Un prince. Ah! Ha ha ha.